Et plop les gens, ici Zikino, et pour les jeux du signe, on va continuer notre let's play sur Boy. On était à la mission, le niveau 8, qui s'appelle Manoir des Hauteurs. Il y a des fantômes. Fantômes ? Des vrais fantômes ? Pas des vrais, puisque je peux pas les taper. Si on peut vraiment les buter ou pas, mais pour le moment ça a l'air pas possible. C'est un match. Home Ghost. C'est un stress. Passer à travers les murs ne fait pas tout. Encore faut-il savoir tenir une batte. Ah, je pensais que c'était un trou qu'on descendait là. Comment ça? Comment j'ai réussi à allumer? Ok, supprimeur, ça se comment? Il est lent. Alors, j'ai pris cette porte deux fois, je suis arrivé en haut. Cet endroit immense, comment va-t-on retrouver la sortie? J'ai des souvenirs dans ce manoir. Ah bon? Le vieux sorcier à qui il appartient, il vit encore. C'est un peu sinistre, mais pourquoi aurait-il déménagé? Parce qu'il est mort depuis des siècles. Oh. Dans ce cas, mieux garder l'œil ouvert. Mais il est là. Bad boy! S'il est un fidèle de Lord Vicious, il pourrait y avoir des pièges. Bad boy! Mais je suis... J'hésite à lui faire une voix un peu plus aiguë, genre. Mais après, ça va ressembler à toutes mes voix de fille, du coup, ça va pas le faire. Une voix qui part en vrille parce qu'il est passé en mini, en chipmunk. Mais je suis sûr que si on reste prudent. Hein? T'as pas grossi, toi? Comment dire? Tu es plus maigre qu'un pinson affamé! Ce sorcier va payer pour ça! Alors, je sais plus pourquoi mes touches. Mais Oh, je peux pas remonter là parce que je me suis. Non. J'ai plus la batte, je sais. Et non, j'ai plus aucun sort. C'est la mouise.
lui renvoyer. Là, il y a une fontaine pour nous faire regrandir, apparemment. Je suppose qu'il y a 4 lampes pour allumer les 4 portes d'avant. Les yeux qui nous suivent plus ou moins dans le tableau. C'est parti, hein. C'est vrai que j'avais même pas sauvegardé ici. D'accord. Je me demandais ce que le bouton avait fait, mais en fait ça fait monter et redescendre ce... D'accord, et quand on est petit, on perd un PV, d'accord. Quand on est grand, on peut prendre ça sans dégâts, mais quand on est petit... Il me semble que ça me fait moins des dégâts. Ouais. J'ai même pas mon double, mon saut mural ou quoi. Et le piaf, tu veux pas me m'aider là-dessus? Un point de vie quand on est petit et qu'on peut pas rétrécir. J'ai l'impression que... Ok, on va tester un truc. Non. Si je vais là, si je peux descendre là, du coup là je peux descendre ici. C'est Pac-Man. J'ai pas vu le succès, mais c'est pas que...
Tac, tac, tac. Et là, on fait ça et on a toutes les pièces. Ou on peut s'en aller par ici. Parler. Ce manoir appartenait à un comte. Une rumeur raconte qu'il pratiquait la magie noire. Il travaillait à la découverte d'un sort pour devenir immortel. Certains disent même qu'il faisait des expériences sur ses serviteurs. Les fantômes qui hantent les lieux sont peut-être ceux de ces pauvres âmes sacrifiées. Boutique, donne-moi ta vie d'or. Et hop, on peut pas monter. Ah. Pourquoi la porte est ici? On arrive ici. Je me disais, à chaque fois que je vois ça, je me dis que c'est un passage. C'est la première fois que je le vois. Avoir la plaque ici, mais pour y passer. Je pensais qu'on... Si, on arrivait pas en haut. C'est bien ça. Donc, si tout va bien. Là on voit pas mais je fais du gauche droite. Plus, c'est bon. Là, je suppose qu'il faut grandir. Que c'est le levier pour allumer la lampe. Et on est de retour à la première porte. Exactement. J'aurais peut-être dû sauvegarder. Sérieusement, une mimique. Quand j'étais en train de me dire
J'ai pas trop vérifié les murs. Vous voyez pas de mur cassé ou quoi. Je teste et bim. Et je vois pas la différence entre les deux. C'est juste que tout à droite de l'écran, si on joue bien en 16/9, on aperçoit que... On est vraiment coincé ici? Non, je suppose que il y avait un cadenas sur la porte, c'était pour me dire que j'étais obligé de trouver. Ok. Et là, ici, d'accord. J'aurais dû me servir des mimiques pour monter. C'est pas grave. Oui. Ok. Donc il faut soit buter les mimiques, soit redescendre. Ah, il bug. En passant la porte, ça m'a enlevé ma clé. Je devrais d'ailleurs essayer de passer une porte avant d'avoir la clé. C'était aléatoire. Oh. Voilà. Oui. Il y a le petit son, mais temps de réagir. Voilà ce que ça fait quand on essaie d'ouvrir une porte sans clé. Au moins on saura. On peut être cadenassé sans clé. Parfait. Ah zut. Voilà, comme ça j'ai pu utiliser deux mana. Alors toi non.
juste. Alors. Oh là là. C'était bien ça, il n'y avait pas d'autres pièces. Ouah, punaise. Soit. Ouais, 4 positions pour les yeux. Pour nous suivre ce tableau. Bien, on continue. 1. Deux. Porte numérotée. Où est-ce que j'ai déjà... Où est-ce que j'ai vu ces numéros déjà? Une idée vue. Effectivement, j'avais vu des numéros. Sauf que j'ai pas commencé par les portes du bas, donc itch. Donc 15. Simple. Mais je vais le faire en premier. Ah, il a peur de la lumière. Comme ça en tout cas. Ça. Oulô. Ici. C'est mort. Je sais pas s'il y a d'autres choses qui tombent du ciel, mais... Oh punaise. On a pu enlever le... la balle du cochon sans enlever le cochon. C'est vrai que j'ai toujours visé les cochons en premier.
bien plus marrant que l'inverse. Hop là, hop là. Non, la clé est tombée. Elle est là. Elle est là. Qu'est-ce que... Je sais pas si on était obligé de tomber ou si on j'aurais pu ouvrir la porte et tout, mais. J'ai pas la foi de refaire ce niveau juste pour vérifier ça et qu'au final ce soit rien. Pas pour le moment. C'est juste magicien hein, pour me magicifier. De prendre la pièce. D'accord, donc en plus, ouvrir la porte, c'est inutile. Une fois qu'on a le saut mural en tout cas. Ah. Comment on a les 3 fraises qui me sont moins. Même lui, il est. Et en plus, il vole. Ok. Oh. Monsieur le magicien. J'ai besoin de vos bons services. Oh, c'est long en fait ça. On arrive dans les derniers, la dernière partie du niveau, mais quand même. Je sais pas comment elle est passée par là la balle.
bon. J'ai perdu que 2 PV. Plus besoin d'attendre le magicien ici. Plus besoin d'essayer de récupérer des sous là. Plus besoin de revenir chercher. Ah, il faut quand même aller à l'interrupteur. J'ai plus besoin de chercher la fraise verte ici. Lui, pas besoin de l'activer. C'est vrai que je l'avais vu là et que je me demandais à quoi ça servait. Et j'ai quand même attendu le magicien. Et je suis mort alors que c'était la fin du niveau. Te voilà, basketteur. C'est pas basketboy. Hey, tu veux faire quelques paniers? Malheureusement, on n'a pas le temps. Oh, allez, j'en ai marre de jouer contre les porcinets et les fantômes. Il n'a pas l'air d'être sous l'emprise de Lord Vicious, lui. Quoi? Tu as peut-être raison. Allez, va. Les porcinets piquent du nez au bout de 10 heures de jeu. Ils n'arrivent pas à suivre, même après que je les transforme en fantômes. Que tu fais quoi? Et c'est reparti! Rendons les choses intéressantes, si tu gagnes, je te laisse partir. Bien, Stuo, prépare-toi à perdre. Sauter assez haut. Voilà. Oh, time out. Ok, t'as gagné la première mi-temps. À mon tour de devenir sérieux. On va l'envoyer sur le banc maintenant. Ouais, ouais. Ouais, 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 c'est lui qui va aller sur le banc, t'as raison, t'as raison. Ah si, j'ai la bulle, j'ai le dash, ouais. Bon, ça c'est la bulle. Ça, on a listé ça. Ça c'est ça. On est 1. 2, 3, 4, 5. Je me souviens de 4 des compétences, mais 5, voilà, c'est là que je cherchais tout à l'heure. Il m'en manque 2. Je crois que ça compte, donc 6. Ouais, il m'en manque une peut-être. Oh là là.
Bon, ça va plus vite déjà. Vite, mais aussi pour ma vie. Double KO. Et vu qu'il me restait plus qu'un PV, ça sert à rien d'aller en phase 2. Gros ballon, c'est gênant. C'est gênant. Ça le fait. Là, le petit freeze à chaque fois quand je rentre dans les pièces, je pense que c'est le jeu qui dit... Tu t'arrêtes là pour la cinématique et en fait je te passe la cinématique. Pourquoi je me prends un coup juste derrière ? J'ai tout mon mana là pour mon endurance pour Non mais non. C'est ta meilleure attaque en vrai. Oui, un peu trop à gauche. Assez précis, mais...
là où j'aurais dû mettre la bulle en l'air, comme ça. Ou un dash à la limite. Balle de basket. Oh, quand il y en a plus peur, c'est encore pire. Quatre. Il est sérieux, il veut que je l'affronte avec 4 balles. Bah non, c'est pas ce coup-ci, hein. Phase parfaite, c'est la première fois, il me semble. C'est pas pour ça qu'il faut que tu m'envoies plein de grosses balles. Sur la toute fin, mais il fallait juste une première phase clean et incroyable. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. Tio, tu es de retour parmi nous? Ouais, depuis quelques minutes déjà. Mais je m'amusais trop pour m'arrêter. Tu t'amusais alors que tu étais en train de perdre? Etsu est du genre à apprécier un match, peu importe le résultat. Exact. J'aime le sport, la pratique. Fun. Si tu le dis. Mais on a gagné quand même. On a quand même gagné. Il est marrant, ton nouveau pote, bad boy. Marrant. Etsu, tu devrais vite retrouver les autres à la taverne Funky. Ouais. Mais avant, laisse-moi te montrer un petit truc. Appuie sur O et... Ah d'accord. Puis ta batte pour faire rebondir sur les ballons de basket. Ouais non mais je m'en fous. Bah si on reste dans la même salle. Mais en fait, je vois pas l'intérêt de faire ça plutôt que de balancer ma batte en avant, mais... Dans le sens où c'est vachement plus compliqué de faire ça que de balancer ma batte et de rebondir dessus. Ok. De porcine, oui, bah oui. Genre, c'est full chance, là. Hein.
Ok, ici, l'intérêt de ça devient présent. Chut dans la peau. Yo. Ah, il y a encore tout ça. Ah, il y a encore une nouvelle... une prochaine ligne peut-être. Quoique là, on a tout. On a tout. On verra. Ici, ce n'est pas un niveau. De la première case où quand on clique dessus, ça se passe rien. Et en plus, elle n'a pas de nom. Regarde, on a une fraise de chaque, une cerise de chaque. Donc on ne peut pas gagner plus de vie ou d'énergie. Perfectionniste, on peut regarder la boutique de Rufus. Ok. Très bien, Rufus. Je note Rufus. Là aussi, un point vide. Et du coup, le prochain épisode, ça sera sur Flotte Marine. On nous propose quoi sinon? Le Palais d'Ivoire. Ben j'espère que cet épisode vous a plu. Avant de le faire, on en était à 47% selon le jeu. Sachant que les niveaux, je pense que j'en ai fait 0 à 100%. Donc, je ne sais pas s'il compte le nombre de niveaux pour le 47% ou tout ce qu'on a trouvé dans les niveaux, toutes les fraises, tout ça. Mais on verra ça plus tard. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt.